Enchanté. Donc je vous remercie d'avoir accepté notre invitation de passer sur la web radio. Avec plaisir. Donc ce soir, il y aura Alexandre Frégonèse, du site pgmag.fr. Il a quelques questions à vous poser. Ok. T'es là, Alexandre? Oui. Bonsoir, Monsieur Mendy. Salut. Et Samuel Suchetet, animateur de la web radio, il sera là d'ici quelques instants parce qu'il a quelques problèmes techniques. Donc si tu veux, Alexandre, tu peux commencer, il n'y a pas de problème. Ok, ça marche. Donc, Monsieur Mendy, Ouais. je voulais revenir avec vous sur vos plus beaux souvenirs avec Paris. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a... durant votre période au Paris Saint-Germain? Mes plus beaux souvenirs, déjà c'était ma première signature au Paris Saint-Germain, c'était en 2000, j'avais 18 ans. Après, il y a eu ce fameux match contre le Bayern où on avait gagné 1-0. Un but de, en Ligue des Champions, un but de Leroy, Laurent, je crois. Il y a eu la finale de Coupe de France contre Marseille, où on gagne 2-1, un but d'Édouard Cissé et Bikash Dorasso. Après, il y a plein de moments. Il y a mon fameux but aussi avec en Coupe de la Ligue contre Lens. Il y a eu le 7-0 contre Rosenborg. Voilà, c'est déjà pas mal, je pense. Tous les matchs de Ligue des Champions. Ouais, les matchs de Ligue des Champions. Déjà entendre la fameuse musique, ça te prend les tripes et après, t'es excité, motivé pour pouvoir jouer le match, quoi. C'est clair, c'est clair. Et comparé à... je vais revenir aussi sur le Parc des Princes. Vous y allez toujours, je suppose? Ça fait longtemps que je suis pas allé. Ça fait longtemps que je suis pas allé. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de l'ambiance du Parc des Princes à l'heure actuelle et par rapport à ce que vous avez connu, vous? Je pense qu'il y avait plus d'ambiance à l'époque. À l'époque que maintenant. Après, bon, il y a encore toujours de l'ambiance, mais c'était différent. Après, bien sûr, je pense que il y a eu pas mal d'incidents, donc ils ont plus voulu sécuriser les familles, notamment les gens qui étaient présents. Donc voilà. Mais je trouve que l'ambiance était mieux à l'époque. À l'époque, d'accord. Et aussi en comparaison, vu que vous avez joué en première ligue, Ouais. les stades et l'ambiance, le championnat, il est différent à tout point de niveau ou... Ouais, le championnat est différent à tout point de vue. Déjà, les stades sont complètement pleins, que ce soit le dernier ou le premier ou le milieu de tableau. Les supporters, quelle que soit victoire, non, victoire, victoire, Défaite. c'est sûr qu'ils applaudissent, mais moi j'ai été plus marqué lors de notre défaite. On avait perdu contre Manchester United quand j'étais à Bolton et franchement on s'était pris une raclée en plus qui était quand même debout pour nous supporter quoi. Chose rare Chose rare. en France je pense que t'as pas beaucoup de t'as pas d'équipe équivalent championnat anglais qui même quand tu prends une raclée, t'applaudissent, quoi. C'est vrai. Enfin, D'accord. c'était ça qui m'avait surpris. Donc, voilà. Ok. Une question sur l'effectif parisien à l'heure actuelle. Y a-t-il un joueur qui vous surprend, en bien ou en mal? Non.
Non, je crois que à chaque confrontation qu'on a pu faire contre le Paris Saint-Germain, les joueurs étaient très disponibles, surtout à la fin des matchs, et il n'y avait pas de méchanceté sur le terrain. Donc, je crois que c'est un effectif de qualité. Après, il y en a qui sont peut-être surhumains. Quand tu prends Zlatan avec le nombre de buts qu'il met et le nombre de passes décisives qu'il met, rien que le fait qu'il soit sur le terrain, les défenseurs ou l'équipe adverse est focalisée sur lui. Donc il a une aura extraordinaire, quoi. Donc on se rend bien compte que quand Zlatan n'est pas là, Paris marche moins bien. Et peut-être que s'il avait été là contre Chelsea, on serait déjà en demi-finale, quoi. Mais Trois je matchs, dirais 25 buts. Zlatan parce que voilà, parce que pour tout ce qu'il fait, que ça soit sur en dehors du terrain, c'est un exemple. Donc, pour vous, PSG champion demain soir? Bah oui, je pense. Donc Zlatan est va être apparemment sur le banc où il va commencer. Il sera au moins dans l'effectif qui sera convoqué pour demain. Mais même sans lui, je pense que Paris Même sans lui. sera. Ouais. En plus, ça sera au parc et ça sera pas plus mal avec les supporters, quoi. Ça sera une belle victoire. Voilà, exactement. Que pensez-vous de l'arbitrage français en général? Parce que vous l'avez connu sur les terrains, pardon, et maintenant à la télé. Qu'est-ce que vous en pensez? L'arbitrage français, je sais pas, faudrait plus en parler aux entraîneurs qui sont déçus. Si tu regardes bien depuis le début de saison, il y a pas mal d'équipes qui ont été déçues par l'arbitrage. Il y a beaucoup. Après, c'est jamais évident de prendre une décision sur le moment, même si on estime que des fois il y a main ou il y a penalty ou il y a une faute qui a coûté un but, etc. C'est jamais facile. Donc je vais pas leur jeter la pierre, mais c'est pas évident. D'accord. Pour ou contre l'arbitrage vidéo? Pour parce que il y a des buts qui ont été marqués ou ont été refusés qui peuvent coûter la relégation. Le fait d'être champion, le fait du maintien ou autre chose. Donc, ouais, je suis pour. Hein. D'accord. Donc, concernant le Qatar qui est arrivé au Paris Saint-Germain, les jeunes du centre de formation ne risquent-ils pas de quitter le navire pour plus de temps de jeu? C'est la question que les jeunes doivent se poser et leur famille aussi. Une menace a été détectée. Ah, c'est sympa ça. François? Oui, non, vous pouvez continuer, excusez-moi. Bon, tout va bien. Tout va bien. Je me dis, tout va bien. Ouais. Après, il y a eu. Je crois qu'il y a deux jeunes en particulier qui sont susceptibles de partir, comme Kingsley? je crois. Hi Kingsley Conan. Et Kenan, ouais, qui sont susceptibles de partir parce qu'ils veulent plus de temps de jeu, ce qui est tout à fait légitime de leur part. Après, ils peuvent très bien être prêtés, comme a été Rabiot Chantal aussi, tout et bien. Santos. Donc,
Ouais, ce serait un bien pour eux, continuer à entendre. D'accord. Un petit avis sur Edison Cavani et son petite baisse de régime en fin de saison. Il a tellement donné sur les côtés toute la saison que c'est normal après qu'il soit un peu fatigué quand il retrouve son poste de Sans passe prédilection. d'origine. Donc, je pense que la plupart, et je me mets dedans, on l'en voulait par rapport aux actions gâchées contre Chelsea, mais c'est tellement un joueur qui donne tellement tout sur le terrain et que on peut pas lui en vouloir. Après, c'est sûr qu'il est une baisse de régime par rapport à tout ce qu'il a fourni durant la saison. De jouer sur les côtés et de faire le travail comme il fait, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup d'attaquants de pointe qui le feront. Qui Et il y en a lui très beaucoup qui il a un qui repli défensif le impressionnant. font. Ouais, offensif, il défend avec son latéral. C'est bien, franchement, c'est très bien ce qu'il fait. Donc, non, franchement, moi, je lui en veux pas du tout par rapport à une baisse de régime ou par rapport à quoi que ce soit. Donc Donc, pour vous, il sera là l'année prochaine. après, je sais pas, il y a tellement de spéculations qui tournent autour de lui, et Hazard, un échange, Mourinho voudrait un attaquant, Paris Saint-Germain voudrait Hazard. Après, vous savez, dans le football, ça va tellement Ça va vite vite. que un échange serait possible. Lui souhaite jouer en pointe, alors que je pense qu'au départ on lui a dit qu'il allait jouer en pointe à deux attaquants. Malheureusement, ça s'est pas fait. Et je sais pas, après Ça peut faudra jouer. voir dans les jours à venir, mais je pense je pense que dans la rubrique des transferts, on va souvent le citer. Et vous, en tant que joueur, comment vous le vivez cette période où c'est tout ce qui est dit côté médiatique sur ces rumeurs de transfert? Parce que c'est vrai qu'on entend rarement parler les joueurs sur ça, ou alors des phrases très brèves là-dessus. Mais comment vous le vivez-vous? On est tous concernés par le transfert. Après, celui qui vous dira qu'il n'est pas concerné, c'est un menteur. Le plus important, c'est de faire tout sur le terrain et de pouvoir tout donner. On est tous, les joueurs en général, on est du bétail, hein. On est bétail, donc bien sûr que si nos performances ne satisfont pas les dirigeants, ils sont amenés à nous transférer, d'autres clubs sont amenés à nous acheter, et vice versa. Donc C'est pas souvent le choix du roi, quoi. non, c'est pas souvent le choix du roi. Après, je pense que les joueurs ont leur mot à dire. Mais des fois, c'est difficile. D'accord. Donc, Monsieur Mendy, vous avez été champion d'Europe enfin champion d'Europe avec les U19. Vous avez gagné la Coupe Intertoto, la Coupe de la Ligue et la Coupe de France. Et aussi vice-champion de France. Et vous avez été aussi international, pardon, français. Quel est vraiment le titre que vous avez savouré le plus avec tous ces titres? Bah, le titre que j'aurais savouré le plus aurait été champion avec Paris. Malheureusement, je n'ai pas eu. Alors, toujours terminé deuxième, soit deuxième ou un peu plus loin dans le classement. Mais ma meilleure saison avec le Paris Saint-Germain, ça a été en 2004, où j'ai été sélectionné en équipe de France, Cinq matchs de Ligue des Champions. où j'étais oui, en Ligue des Champions aussi, je pense. Ouais. Oui, 2004. Et j'ai été élu meilleur latéral droit. Donc,
Donc je pense que c'est cette saison-là la plus vraiment la plus complète et la plus aboutie. Après, j'aurais bien aimé être champion avec avec Paris, quoi. D'accord. Puis en 2003, d'après certains médias, vous auriez pu partir à Liverpool en 2003 et vous avez choisi de réintégrer le Paris Saint-Germain. Racontez-nous un peu cette. Non, en 2003, en fait, il y avait quelques rumeurs comme quoi j'étais prêté à Bolton. J'avais fait une bonne année là-bas, j'étais parti pour des raisons personnelles et donc il fallait que je m'exile un peu chez les British. Et au final, j'avais fait une bonne saison. Après, il y a eu des rumeurs comme quoi Liverpool était intéressé. C'est une sorte de rumeur. Au jour d'aujourd'hui, j'en sais pas plus que vous. D'accord. J'ai pas entendu les rumeurs, mais sincèrement, j'y prêtais pas trop attention parce que moi, dans mon optique, c'était de revenir à Paris et de pouvoir réussir à Paris. Donc, pas fuir comme certains diront, ou comme peut-être moi j'ai dû le faire, mais j'étais parti pour des raisons personnelles. Et au final, il est lui qui est venu me rechercher, on a fait une année réussie. D'accord. Et quel est le but que vous avez marqué avec le pardon. Quel est le but qu'avec le recul qui vous a fait le plus vibrer dans votre carrière qui n'est pas terminée, bien entendu? Moi, j'en ai marqué tellement de buts. je pense que celui contre la EK Athènes, c'était sans doute le plus beau. Le plus beau où j'ai nettoyé la lucarne. je pense que c'était le plus beau. Après, bien sûr, de marquer toujours au parc et de faire la communion avec les supporters, c'est toujours mieux. Mais là, c'était à l'extérieur et c'était vraiment un très beau match. Un match important en plus et vraiment un très beau but. Une menace a été détectée. Bah, décidément. Je mens pas. Vas-y, continue si tu as encore des questions. J'en ai plein, alors ça va venir. Ouais. Tu peux parler aussi du PSG aussi actuel. Enfin, plein de choses aussi. Hein. Excusez-nous, on est une radio amateur, hein, je dis bien, je précise. Non, mais il n'y a pas de souci. On a tous un travail derrière, en fait, on est des passionnés avant tout, et on essaye de se faire connaître un peu. On a eu pas mal d'invités aussi, et on tenait encore à vous remercier d'ailleurs d'avoir accepté notre invitation déjà. Avec plaisir, je vous suis sur Twitter, donc je vois un peu ça, de loin. D'accord. Et donc, concernant cette année, est-ce que le PSG doit recruter pour vous, Mercato? Je pense qu'ils vont certainement recruter. Je pense que même si il n'y a pas eu qualification en demi-finale, je pense qu'ils espéraient aller loin. Malheureusement, ça s'est pas fait. Ça s'est passé et je pense que il y a Mota qui disait que il a fait sa shopping list. Comment? Il a fait sa shopping list. Ouais, qu'il fallait des renforts pour pouvoir aller plus loin parce que je pense que le championnat et la Ligue des Champions c'est un monde différent. Je pense que s'ils veulent la gagner un jour la Ligue des Champions, va falloir acheter de très bons joueurs, même s'ils en ont déjà, mais d'acheter encore des joueurs comme Hazard ou d'autres, ou Alves aussi. Mmh. Donc, je pense qu'ils seront obligés d'acheter pour aller la chercher là, plutôt dans le monde. Et justement, du fair play financier, là,
Vous en pensez quoi, vous, de ça? Ce que j'entends, c'est bon, c'est un peu normal, c'est un peu normal. Après, Paris est dans une dimension comme Manchester City, comme les grandes Europes. Donc, c'est sûr que on dit que l'argent ne fait pas trop le bonheur, mais quand on a des moyens de pouvoir acheter de grands joueurs, on va pas s'en priver. Après, bien sûr, il y a le fair play financier qui est pour tous. Et pour pas aussi désavantager aussi les petites équipes. Donc bon, je pense que c'est normal. Après, va falloir peut-être mettre comment dirais-je, un plafond à ne pas dépasser. Ce serait bien, comme dans la banque. On va parler aussi un peu pardon, Javier Pastore avec le transfert assez élevé. Vous pensez qu'il a encore un avenir au Paris Saint-Germain ou vous pensez qu'il va être transféré ou voire prêté? Après, ça va dépendre aussi des arrivées. Ça va dépendre aussi des arrivées. Il a été acheté très cher. C'était le premier joueur à être acheté 42 millions en francs, je pense. Si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça. Après, malheureusement, la première année, ça s'est bien passé, pas l'année suivante. Il y a eu d'autres arrivées et la concurrence est de plus en plus rude. Il a prouvé aussi que même quand il était sur le banc et qu'il rentrait notamment contre Chelsea, où il a fait une action phénoménale, il a des qualités. Après, il faut le mettre en confiance, je pense, ce joueur-là. Tout n'est pas facile, mais ça va dépendre des arrivées. Ça va dépendre des arrivées pour savoir si il sera prêté ou vendu. Mais je pense qu'il a une cote de popularité qui feront que si jamais il est vendu, Paris pourrait s'y retrouver, mais perdra un peu moins que le prix de vente. Monsieur Mendy, est-ce que vous auriez, pardon, est-ce que vous aimeriez jouer dans cette équipe à l'heure actuelle? À votre poste de latéral? Qui n'aimerait pas jouer dans cette équipe? Je pense que c'est une grande équipe avec de grands joueurs, avec un grand entraîneur, un grand président, des supporters, de très bons supporters. Après, celui qui vous dit qu'il n'aimerait pas jouer à l'heure actuelle au Paris Saint-Germain, c'est un menteur, quoi. Donc oui, moi, si j'aimerais jouer dans cette équipe, oui, bien sûr. Et justement, en parlant de Laurent Blanc, vous en pensez quoi? C'est un très bon entraîneur et vous pensez qu'il va prolonger l'aventure parisienne? Apparemment, le président il disait qu'il allait prolonger. Malheureusement, ça tarde un peu trop. Je pense que ça sera officiel quand ils seront champions demain soir. Demain soir. Après, j'ai cru comprendre qu'il avait mis certains souhaits. Donc, le président du PSG acceptera? Ça, je sais pas. Donc, mais en tout cas, moi, si j'étais joueur, j'aimerais que Laurent Blanc reste. Tout à fait. T'as encore des questions, non, Alexandre? Une dernière, monsieur Mendy. Pour le futur, comment vous le voyez pour vous? Entraîneur, directeur sportif ou quelque chose dans ce domaine-là? Revenir à Paris, par exemple. J'attends un coup de fil de ma sœur pour voir. Pour le futur, oui, sans doute passer des diplômes d'entraîneur et pouvoir entraîner. Mais je vous avouerai que pour l'instant, je suis plus attiré par le football féminin que le football masculin parce que
bon, j'étais à Clairefontaine, je suis parti soigner mon dos et je regardais les filles jouer plutôt que les garçons. Et en plus, j'ai trois filles, donc, dont une, l'aînée qui joue au foot et la petite dernière qui veut absolument que je m'inscrive au foot. Donc, pourquoi pas être sélectionné par l'équipe de France ou prendre l'équipe de football féminin. Pourquoi pas, ouais. D'ailleurs, par rapport à ça, quel est votre regard sur l'évolution fulgurante de l'équipe féminine comparée à votre période? C'est bien, comparé à c'est mieux. Après, on peut toujours faire mieux, c'est pas mal ce qu'ils font, que ce soit l'équipe de France féminine ou l'Olympique Lyonnais ou celle du Paris Saint-Germain. Il y a aussi. Il n'y a pas beaucoup de clubs pro, il y a beaucoup de clubs amateurs, donc à voir avec le temps. On peut y remédier par rapport à ça, c'est bien ce qu'elles font. Vous pensez que dans quelques années, elles seront au même niveau que le football masculin ou... Non, je pense pas. Je pense pas. Il y a du travail. Il y a beaucoup de travail, et je pense que le football masculin est un atout en France. Après, je pense que à ce que j'ai cru comprendre, il y a certaines filles qui travaillaient à côté. C'est pas comme nous, les footballeurs, où on ne travaille pas, on gagne bien notre vie, contrairement aux filles. Je pense que ils y arriveront. Il y a des personnes qui sont impliquées là-dedans et voudraient mieux pour tout le monde que le football féminin existe encore plus. Parce qu'on a vraiment de bonnes joueuses, que ce soit la formation dans les clubs, même à l'UNF, Clairefontaine, on a vraiment des filles très douées qui la plupart jouent avec les garçons au plus jeune âge. Donc voilà, quoi. Il y a aussi une rivalité, mais le football masculin prime avant tout. Quoi. D'accord. On peut peut-être poser encore une question sur Edinson Cavani, sur sa saison. Vous en pensez quoi, vous, de sa saison d'Edinson Cavani? Moi, je la trouve bien, sa saison. Déjà, d'une, il n'a pas joué à son poste, il a fait des efforts. Après, il a marqué quand même pas mal de buts. Je crois que c'est le deuxième meilleur buteur. Ouais. Donc, pour une première année, c'est costaud, alors qu'il n'a pas joué à son poste. Donc, chapeau. D'accord. Ben en tout cas, monsieur Mendy, on tenait encore à vous remercier au nom de la web radio Ville Lumière. Merci d'avoir participé à notre émission de ce soir. Avec plaisir. Et excusez-nous pour ces petites erreurs techniques, hein, on débute. Les alertes virus. D'ailleurs, on n'a pas réussi à revoir Samuel, donc on le salue parce qu'il nous écoute. Il est un peu embêté parce qu'il aurait bien aimé participer. Mais on essaiera de replanifier une autre émission avec monsieur Mendy, s'il est d'accord. Avec plaisir, vous avez mon numéro. Voilà. Ben, merci beaucoup et puis passez une bonne fin d'après-midi, monsieur Mendy. Merci, demain. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur Mendy. Donc merci aux 132 auditeurs qui nous ont écoutés. Donc c'est pas mal, hein, bien entendu. Merci à toi Alexandre, t'es toujours là? Oui, je suis toujours là. On a un petit peu bugué entre guillemets sur, euh,